Salut les gens, excusez un petit peu ma coupe, les cheveux en pétard. Aujourd'hui une petite vidéo où je vais vous expliquer comment j'ai fait cet abri là que vous voyez derrière moi. Voilà, essentiellement avec de la récup, poutre de récup qui soutenait un plancher. J'ai récupéré ça chez quelqu'un, des chevrons, tous les chevrons là et ceux de la toiture. C'est des chevrons qui étaient dans un grenier de chez quelqu'un qui était stocké depuis une vingtaine d'années. Ça, c'est de la belle poutre en chêne qui était dans un sale état, que j'ai acheté sur le bon coin à quelqu'un qui avait fait un chantier qui les a récupérés. Donc voilà, tout ça c'est de la récup. Il m'a quand même fallu trouver les boulons, les mortaises que j'ai achetées chez Pago Savoie. Sinon, tout ça c'est de la récup, contreplaqué marin de récup, le plan de travail que vous avez vu si vous avez suivi mon ancienne vidéo. Et sinon, oui, il y a les plots en béton aussi, plots en béton que j'ai fait, sur lesquels je suis venu poser mes poutres en chêne. Voilà, petites poules qui sont là. Donc voilà, donc je vais faire une vidéo là-dessus, une vidéo qui sera composée de photos et de vidéos, parce que j'ai pas tout le temps de filmer, c'est compliqué quand on travaille et tout. Et ça devrait faire un rendu pas trop mal. Bon allez, c'est parti.
Thank you.
Alors aujourd'hui, on arrive quasiment à la fin de la toiture. Je vais pas te mentir que je suis soulagé d'en voir le bout parce que ça fait un petit moment quand même que je suis là-dessus. Ouais, ça fait à peu près 150 heures que j'ai calculé. Donc ouais, surtout qu'il fallait que je finisse ça avant l'hiver pour pas que le contreplaqué pourrisse. Même si c'est du contreplaqué marin, ça va finir quand même par s'infiltrer. Donc normalement, j'aurais fini avant qu'il neige. Alors, deux, trois explications. Alors, comme on a pu voir dans l'accéléré, j'ai chevronné sur mes pannes, normal, tu vas me dire. Donc, j'ai chevronné sur mes pannes, sur ces mêmes chevrons, je suis venu visser avec ma petite visseuse AEG qui va bien, du contreplaqué marin. Donc, les plaques qui sont ici. Sur ces mêmes plaques, je suis venu fixer des bandes de contreplaqué marin, toujours de 4,5 cm de large par une épaisseur d'un centimètre et demi, c'est toujours les mêmes. Donc je suis venu visser mes contrelattes, donc une sur chaque chevron et une intermédiaire à chaque fois. Donc ça fait à peu près tous les 25, voilà. Et sur ces contrelattes, je suis revenu fixer les mêmes lattes de 4,5 par 1,5. Espacé de 10 cm. On appelle ça le pureau, c'est la cote qu'il y a de là à là. Donc moi j'y connaissais rien, je me suis renseigné sur internet, j'ai trouvé ça sur internet. Donc voilà, alors pourquoi du contreplaqué marin? Ben simplement parce que je récupère ça au boulot dans des bennes et que je le paye pas. Parce que si j'avais à le payer, j'aurais pas mis ça déjà parce que c'est horriblement cher. J'aurais mis des lithos en sapin de 27-40, c'est ce qu'ils mettent pour les toitures, mais ça m'aurait pas coûté le même prix, ben évidemment parce que là je les ai pas payés, mais finalement ces petits trucs là ça a vite fait de coûter cher parce que là mine de rien j'ai 20 rangs de tuiles sur ce rampant là, 20 rangs sur l'autre, ça fait 40 lithos de 4,30 m de longueur. À mon avis, si tu calcules, t'en as pour plus de 150 €. Donc, bon, c'est sûr que ça me prend du temps à déligner les bandes avec la règle et tout le bordel. Mais finalement, il vaut mieux prendre du temps. Enfin, moi, c'est ma façon de voir les choses. Il vaut mieux prendre du temps pour faire les choses chez soi que de payer et puis d'aller travailler pour payer les choses. Finalement, ça te revient plus cher. Donc voilà. Donc j'ai contrelaté. Pourquoi j'ai contrelaté? Pour laisser une lame d'air. Normalement, c'est préconisé 2 cm minimum, une lame d'air sous les lattes, ça c'est pareil, j'ai trouvé ça sur internet. Bon, là on parle d'une maison, hein. Moi je suis sur un abri, je vais pas me casser la tête. Le principal c'est que ça soit ventilé quand même, là on a que 1,5 cm au lieu de 2 cm, je pense pas que c'est ça qui va faire pourrir le truc. Voilà, donc voilà, contrelattage, lattage, et alors ici, entre les plaques, on avait un joint, donc je suis venu mettre du silicone étanche. Alors la référence c'est du Sika Pro 11 FC, si je me rappelle bien. C'est un mastic qui devient super dur, qui est ultra étanche. Alors j'ai mis ça, c'est pas vraiment utile là pour le coup parce que là je suis en train de tuiler, donc une fois que la faîtière sera posée, il n'y aura pas de problème. Mais comme je savais pas si j'allais tuiler dans l'année ou quoi, j'avais fait des joints. J'avais étanché pour pas que ça s'infiltre quoi. Bon, au moins ça sera fait. Ça sera fait, il n'y aura pas de problème. Donc la tuile, la même que pour le poulailler. Vous pouvez regarder ma vidéo du poulailler sur ma chaîne, elle est disponible. Donc c'est de la petite tuile plate, de la 27 par 16. Petite tuile plate comme ça, bon là c'est de l'occasion, c'est pour ça qu'elles sont un peu dégueulasses, mais pareil, hein. Elles sont quand même sont un peu sales, mais elles sont quand même en très bon état. Voilà, donc c'est de la tuile béton par contre. Et ça fait un petit résultat qui est franchement pas mal. Donc voilà, les couvreurs et les charpentiers, etc., soyez indulgents, hein. Moi c'est pas du tout mon métier. Juste une petite vidéo comme ça sans prétention, donc voilà,
si vous avez des conseils, il n'y a pas de problème. Donc là, j'ai mes coupes qui sont faites, j'ai 2-3 tuiles de dispo sous la main, on va tuiler un petit peu ça, et puis voilà. Ah oui, chose que j'oublie, donc ensuite j'ai trouvé des faîtières, ça je les ai pas trouvées d'occasion, donc des tuiles faîtières de 33. Finalement c'est pas une pose vissée, c'est une pose maçonnée. Alors pareil, j'ai regardé sur YouTube parce que c'est pas mon boulot. Alors il suffit de mettre un cordon de mortier bâtard de chaque côté là, et de venir fixer la tuile dessus, puis après de fignoler sur les côtés, et à chaque jointure on fait un... Alors j'ai vu qu'il faisait un gabarit, alors tu peux faire un gabarit comme tu veux. Là ils avaient fait un gabarit triangulaire là, et du coup tu mets un boudin de colle et tu viens lisser à la forme de ton gabarit, et ça fait un truc qui est franchement pas mal. Donc voilà, ça je vais pas le faire aujourd'hui, là je vais juste me contenter de tuiler un petit peu, et je referai la suite de la vidéo là-dessus quand j'aurai la colle de prête, etc. Voilà, allez, on va tuiler un petit peu. Du vissage des tuiles. Alors j'ai pas vissé toutes les tuiles, même s'il y a des trous dans chaque tuile, je me suis contenté de visser les deux premiers rangs du bas, les deux lignées des côtés et la première du dessus, qui je pense va suffire à maintenir les autres, et je pense que ça devrait aller. Ceux qui sont experts peuvent me dire, mais je pense pas que ça bougera quand même avec le poids, j'aurais pas de soucis à mon avis. Et pour les vis utilisées, alors j'ai pris de la, je sais pas si vous voyez sur la vidéo, j'ai pris de la petite vis comme ça, avec les embouts Torx, parce que j'ai commencé en essayant avec de la Cruci. Et si tu veux pas changer d'embout tous les 4 matins, je te conseille de prendre ça, parce que tu mets ça sur l'embout, déjà ça tient déjà presque tout seul, tu vois. Tu peux pas faire ça avec un Cruci, ça peut être plus pratique. Si t'es bon là, ça me sert pas, mais je veux dire, moi quand je bricole, j'utilise que de la vis comme ça. C'est de la vis comme ça en 40. Donc là par exemple, quand je la visse ici, là j'ai mes 30, je suis sûr que ça reprend mes lattes, mes contre-lattes, et ça vient se visser dans ma plaque. Donc voilà, c'est tout, c'était une petite parenthèse. On recommence. Bon, ça y est, c'est quasiment fini. Bon, finalement, je vais quand même poster la vidéo avant que ça soit fini, parce que là, on est déjà mi-décembre. Et puis sinon, il va peut-être se mettre à neiger, alors la vidéo, elle sera... Sinon, je pourrais pas la poster avant le mois de janvier, février, peut-être voire même mars. Donc, je vais la poster comme ça. Bon, le principe des fêtières, finalement, c'était ça que je voulais faire. Enfin, c'était ça, en plus joli, quoi. Parce que là, ça fait pas très très beau. Surtout que la première partie là-bas, elle a été un petit peu lavée parce qu'il s'est mis à pleuvoir après. Bon, j'ai touché, c'est pas trop friable. J'espère que ça va pas, mais que je vais pas être obligé d'y refaire.
Bon, pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Donc, c'était un mélange de chaud, chaud ciment blanc là, et sable. Là, ça a l'air de tenir pas mal. Donc voilà, là, c'est quasiment fini. Et puis, je posterai une photo de la toiture finale vue du dessus, où j'essaierai de faire un plan assez sympatoche. Allez, ciao tout le monde. Merci d'avoir regardé.